Foncez ensuite dans le palais qui se trouve au-dessus pour trouver la chandelle et éclairer les sombres cavernes du pays d'Hyrule. Une petite astuce, dans le palais, frappez les statues, il s'y cache parfois des fioles, ce qui est bien pratique. Après un dur combat, vous voilà en possession de la chandelle. Pour le dernier boss, tout est question de rythme. Sautez vers la droite en visant la tête de cheval de ce monstre. Une fois la chandelle en votre possession, foncez dans la caverne la plus au nord du pays. Il y a là un gorilla qui a volé le trophée du village. Il faudra récupérer le trophée et le ramener à ses possesseurs. Une fois dans le village, trouvez la fille en rouge et remettez-lui l'objet. En remerciement, elle vous conduira au sorcier qui vous donnera le pouvoir du sceau. C'est grâce à ce pouvoir que vous aurez la possibilité de visiter la partie sud d'Hyrule. Sachez qu'il y a une fée juste à la sortie de la caverne. Ne la loupez pas. Dans cette seconde partie, vous aurez besoin d'une lettre pour traverser la rivière. Alors voilà l'emplacement de la maison dans la forêt, voilà, où vous trouverez Bagu, qui vous remettra la lettre à remettre au passeur. Merci Bagu et à bientôt Link.